Salutations, je m'appelle Benjamin Cruz, bienvenue sur Elle est Noire. On est sur le 17ème épisode et je crois qu'aujourd'hui on va aller voir un petit match de boxe. The Setup, le coup monté. Pour le coup, c'est une traduction quasiment littérale. Salle de boxe de l'American Legion, 21h. You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Earl, il a vraiment la tête qui correspond avec la mentalité, quoi. C'est impressionnant. Make you a sandwich, buddy? Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. Putain, saucisse, jambon, fromage, 10 centimes. Ça valait rien à l'époque, mais c'est pas du tout la même chose. C'était cher, 10 centimes. Let's get a ringside seat. C'est... On l'a déjà vu, lui, dans les journaux, le mec en bleu là-bas. On l'a déjà vu. Alors, on a un petit problème de rendu, je crois, sur le corps des boxeurs. Et après, on a un détail d'animation que je pensais. That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert, you get out here right now! Step back, LAPD. What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! Un match truqué, donc. That bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. Il s'est barré. La fenêtre est ouverte. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. Donc on a déjà vu un APB All Points Bulletin, c'est un avis de recherche. So are we here because you lost money or because we're investigating a prize fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Un qui est droit sur la loi et l'autre non. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end. Alors attends. Dans l'ordre, on va aller deuxième depuis la fin, voilà, amende. Donc, on a une liste, Harry 18 contre 1, Mervyn 18. Je suppose que c'est du 22-1. Après, il faut un numéro de téléphone en bas. Je pense que c'est du 18 contre 1, 22 contre 1, je pense que ce sont des cotes. Je pense que ce sont des cotes. Ça, c'est le scotch qu'ils ont l'habitude de se mettre sur les mains. Jusque là, pas trop de choses. Je vais juste revoir vite fait, savoir si on n'a pas autre chose à regarder. Non. Il nous l'aurait dit. Il n'y a rien d'autre à regarder. Ok. Ouais, je vais faire le tour. On a un grand box, on suppose que c'est le sien. Mais bon, après, de là, voilà, ça va pas nous aider à grand chose. On n'a rien d'autre à regarder, ni dans les chiottes, ni rien. On a le téléphone, donc à mon avis, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à regarder. La douche, il y a des serviettes qui traînent. Non, pardon. Oui, donc c'est bien pour nous montrer qu'il a quitté, pas que c'est possible de sortir par la fenêtre. Si, on peut pas passer par la fenêtre, non. Une fois que, on sait jamais. Ensuite, donc on doit aller au téléphone. Dès qu'il met le téléphone, c'est qu'on a à peu près tout fini. Quoi. Tiens, on l'a vu lui déjà. Bonjour. Roy, you out of pocket too? Mickey, seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him.
Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. Voilà. I know who he is, Roy. I met his brother-in-law. Voilà. Vous la sentez, l'affaire qui est en train de se mettre en place derrière? Depuis le temps qu'on le voit avec les journaux. I think you had the mixture pretty scared back there. Bon, donc, on a un petit coup de tardis, enfin là, un coup de téléphone simple. On va mettre une pièce. Oh, la police. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Allez, Google. Cole Phelps, badge 1247. Hey, on s'énerve pas, hein? On reste calme. How can I help, detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is... Vas-y, tourne une page. Hotel Elmar, 6294 Leland Way, Hollywood. Eh ben, on va aller là-bas. Thanks for your help. Alors, tout à l'heure, je disais... You know the place? Flophouse. Quarter a night, no questions asked. Tout à l'heure, je disais un truc que je pensais avoir deviné par rapport à l'animation, c'est qu'en fait, il y a l'animation du corps d'un côté, l'animation du personnage, l'animation de la tête de l'autre et donc du visage. Et c'est pour ça que si vous avez remarqué depuis le tout début, je suis monté côté passager, je sais pas pourquoi, si vous avez remarqué depuis tout début, tous les personnages, ils ont quelque chose au niveau du cou. Donc, soit là, ici, un col de chemise, ou un col de vêtements, ou un collier pour ces mesdames, toujours. Stampinato. Do I note a hint of reprimand in your tone, detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Ouais, on va arriver. Hôtel Elmar, 21h13. Donc ouais, niveau animation, si vous remarquez, on a que la tête d'un côté et que le corps de l'autre. Tout est très bien assemblé, c'est vachement astucieux, c'est bien foutu. Et je pense qu'ils ont utilisé cette petite astuce de bien planquer le col chez tout le monde pour pas voir la différence entre l'animation de la tête et l'animation du... Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. I don't need this. Alors. Donc, on a des noms d'emprunt, je pense, hein, c'est ce qu'il vient de dire. Okay, so look for prompt. Ah oui, en effet, oui. That should narrow it down. Orson Welles. Entre autres. Mais t'as eu voir, ça me parle quelque chose, ça me dit quelque chose. Alors, Winston Churchill. Tiens, intéressante. Marilyn Monroe. Bah oui, bien sûr. Humphrey Bogart. Que des noms de l'époque. D'ailleurs, attends. Winston Churchill. C'est un anglais. Winston Churchill. Bingo. A very patriotic English. On cherche un anglais. Tous les autres... ce sont des noms américains. Even at a flop house, Adley can't get out from his shadow. J'ai oublié de regarder ce qui fait les conneries. On va regarder, on va reprendre l'indice parce que j'ai absolument pas suivi. Ah, je l'ai pas. Ok. Bon, alors on va deviner que c'est la porte 207 parce qu'elle a une. Parce qu'elle est dorée. Elle est dorée. Door's unlocked. Looks like he's had a broad up here. Crade. Ça c'est son dentier, mais après bon. Ça confirme que quelqu'un qui utilise un dentier est ici. Ah, si en plus je me mets à éternuer au milieu, ça va pas le faire. Alors, on a... Hop. Western Union. Elvira Hammond, 12 Brick Lane, London. I'm so near, boy, going good. He must be heading home. You know, I hope he makes it.
That crooked son of a bitch, no chance. Ah. Des chocolats. Oh, c'est ça. C'est un ONF, hein, disons. Quoi? Section gauche, rangée J, c'est du cinéma, ça. D'accord, donc un morceau de ticket de cinéma. Intéressant. Un journal. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Oui, très bonne remarque. La soupe Parnell. Oh la vache. Ils nous remettent toutes les marques qu'on a déjà vues, quoi. Pub Natural Style. Ah, compétition. Formulaire d'inscription au concours. Prénom Candy. Nom de famille Edwards. Adresse 7116 Fountain Avenue à Hollywood. Intéressant, ça. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment quelque chose d'autre parce que le reste on l'a vu. Ça on a vu. Et là, on n'a rien à voir, et là... Y'a quoi là-dedans? Ah oui, il y a des traces de rouge à lèvres sur les cigarettes, donc il a reçu une femme. Qui fume. Là, il y a des sommes, ça sent des sommes, 200 par 18. Ça semble qu'Albert a fait du homework. 11 grand would be a nice little nest egg. Donc ça serait la somme qui doit 11 755 $. Bon, bah cette fois-ci on a fait le tour de la chambre. Donc, on va ressortir d'ici. I used to be indecisive. Now I'm not so sure. Alors la suite. Alors, prendre les indices, on doit aller voir. On doit aller voir cette personne là, je crois. Donc, c'est dans les lieux. Qu'est-ce qu'on a comme les lieux? Adresse de Candy Edwards. Eh ben, on va aller là-bas. Hein. C'est le seul truc qu'on a à faire maintenant. Hammond est over the hill. He's a punching bag for the up and comers. She knows goddamn place. I think he knows. I think he worked out the place isn't LA. He's punchy, his brain's going to mush. Winston Churchill? Give me a break. Churchill is a fighter, Roy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. So, you boxed in the Marines? We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. Motel Aleve, 21h24. No vacancy, ça veut dire qu'il n'y a pas de place. Donc, là, on a l'adresse de Candy. We need to know which room is Candy's. Are you drunk, mister? Bonjour. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type. Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Italien, ça, ça pue ça. This Candy broad must be as sweet as she sounds. Ça pue, ça sent un homme de main. Give it up. Sounds like we're missing he's all the fun. Get in there, Phelps. You know where he's hiding. Now tell me where he is before I cut you. Bonjour. Like hitting women. Allez, tape. This isn't gonna end well for you, friend. Tiens. J'ai donné des coups dans le vent, pour rien. Bref. Merci, monsieur. Il est inconscient, hein. Give her a minute and take a look around.
Oh, c'est joli ça. Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Qui êtes-vous, monsieur? Ah, Jean, Ray, Wallace, Marvin. Carlo here seems to have the same friends as Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? Une seule page. Il y en a qui sont cochés, d'autres non. Alors, on va vite lui marcher dessus. Elle est en train de faire sa valise. Il n'y a rien à voir par là. On sait jamais. Une boîte de lunettes, visiblement. Là, ça, c'est du vernis. Mais bon, ça va pas nous aider non plus. Et une boîte de lunettes, bien disposée, ça va pas forcément nous... Ah, c'est, pardon, c'est nécessaire de manucure. Ça ressemble de loin à une boîte de lunettes, mais c'est un peu plus... C'est un petit peu trop plat. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Los Angeles, Californie, Akron, Ohio. Allez, simple, one way. Du passager Candy Edwards, donc en effet elle était bien en train de partir. Single ticket, one way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Ouais, c'est la copine d'Albert, elle part sans. Scania sails from New York. On peut pas la tourner, on peut pas regarder, y a rien derrière. Intéressant. Un bateau qui part de New York, donc qui va en Angleterre. C'est la White Star, c'est comme le Titanic. Hein, c'est... Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. Vous voyez là, elle a un beau collier bien visible, bien rigide, de façon à ce qu'on n'ait pas son... La différence entre le cou et le corps. We've reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. Oh, le coup de regard à côté. Elle pense qu'on peut lui dire qu'elle oui, elle ment. You're lying, Candy. You were in his hotel room. He came back after the fight and you weren't there. What happened? You can't prove that I was in the room. Si. Parce qu'elle a rempli le bulletin réponse au magazine. You, Candy. You wrote your name and address on a coupon. Look. Albert was supposed to take a fall. We were all supposed to make a little money out of it. But Albert got too goddamn stubborn. Said his pride was all he had left. So I told him, shove it. Let's see his pride keep him warm at night. So you walked out before the fight? Yes, I did. What's the problem? I didn't take anything. Mm-hmm. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Je pense qu'elle ment aussi. They're bookmakers, aren't they? Tell me the truth. How the hell would I know? Albert wrote his winnings down on a voilà. Pad in the hotel. C'était dans la chambre et on a... elle fume. D'ailleurs, on peut noter qu'elle fume et on sait qu'elle était dans la chambre. Donc on peut la même situer dans le lit d'Albert. Et au bord du lit d'Albert, il y avait une liste avec le rapport des bookmakers. Voilà. Leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. Ouais, là par contre je peux pas prouver qu'elle ment. Donc on va la faire parler. Clairement, elle n'est pas la vérité. As soon as he collects his winnings, I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one piece. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run and then I say adios to this dump. Do you want to press charges against Arcaro? Just get him out of here. That's all I want. Get out, Carlo. Sont bien, il se réveille pile maintenant. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Bon, on fait quoi? Good luck, Miss Edward. I hope things work out for you. Thank you. It's very kind of you to say so. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff.
I say stake her out. See where she goes. Et ben voilà, j'ai ma réponse. Parce que là, on nous donnait rien. Motel Alev, 16h08. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. Ah putain, comment elle m'a vu? Elle m'a pas vu. Vraiment, je vais me mettre derrière le mur. Ah si, je viens de trouver. Ah, je viens de trouver. Voilà. Voilà. Techniquement, là, elle me voit là. Faut être honnête, hein. Avec le journal, elle me voit là. Vu comment le journal n'est pas planqué, c'est tellement pas discret là. Je viens de tilter. On avait déjà fait un truc comme ça avec le journal, souvenez-vous, dans un restaurant. Avec l'autre qui allait téléphoner là. Pas oublier que normalement on peut se cacher. Allez, on recommence, on va se cacher. Il y a quelqu'un qui est caché derrière, ça se voit. Normalement, ça se voit. Ah, on va utiliser le passage à droite là. Quand on va prendre à droite. Donc on nous a bien dit, l'icône clignote quand on devient trop loin et disparaît progressivement. Voilà, par contre c'est vachement ouvert, donc il va falloir bien se planquer. Il va falloir jouer avec les limites là. Oui. Il va falloir se rapprocher. Des téléphones, des vitrines de magasins. C'est pas moi, tu m'as pas vu. Là, elle aurait pu me voir, là, en vrai. Vous avez vu, on était proche, mais l'icône clignotait. Ça veut dire qu'on n'était pas... Il voyait clairement qu'on la voyait pas. Bonjour, je suis discret. Bonjour monsieur, je suis pas du tout dans votre jardin, c'est pas vrai. Vous avez une jolie voiture monsieur. C'est pas vrai, je suis pas dans le jardin des gens. Je vois pas ce qui vous permet d'affirmer ça. La benne bleue là, allez. C'est pas discret du tout par contre auprès des passants quoi. Much slack. Gotta get closer. Oh putain. Oh la vache. Je suis une poubelle. Qu'elle va loin, hein, pied. On va utiliser ce petit abri là. Ok, dans la rue en face. Pas trop éveiller les soupçons non plus. Techniquement, elle peut m'entendre courir. On a une longue ruelle, on va pas pouvoir se planquer là. On va vraiment devoir attendre le bout. Du bout de la rue.
Allez, mets-toi au bord. Ouf. Alors, un endroit qui est fermé. Bookmakers? Mais. Yes. Surprise, surprise. C'est ça. Bon, bureau d'un bookmaker, 16h59. Ouais, c'est censé être fermé. Petite devanture comme ça, un petit truc de liqueur fermé, et en fait, bah, c'est pas fermé. Bonjour. A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much does she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. Donc il y avait une double arnaque. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door. Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. Elle a noté quelque chose, vous savez. Hein, on a déjà fait ça. Examineur. Drugstore. 1487. Il va revenir à Hollywood. Suffisant pour le jeu? Si, c'est suffisant pour le jeu. We know where she's headed. Let's get moving. Allez, examinons drugstore. On y va. Evan King. Request, Bunko Fraud has three known bookmakers operating out of storefronts in the Hollywood area. Thrifty Liquor, 6106 Santa Monica. The Examiner Drugstore, and a Max Spirits at 1658 North Cherokee. KGPL clear. Si bien, c'est qu'ils n'ont pas attendu qu'on réponde pour être sûr qu'on prenne le message. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? Bureau d'un bookmaker, 17h09. J'aurais pu aussi dire examiner un drugstore directement. Ça se voit tant que ça qu'on est des flics, que les mecs filent comme ça. Isn't that the cop who won the medal and is solving all the cases? Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervin? Sure did. Mm-hmm. I'm just about to close up. 4000, la vache. 4000 clams and change. How long ago did she leave? Maybe 5 minutes. Call the cab. Asked for a number, I told her there was a card over there by the phone. Boy, let's take it some better days. Localiser le taxi. Cap. We need to get after her, fast. Bon, on va faire comme pour le bus en fait. On va devoir appeler la compagnie de taxi pour le localiser. Operator, give me dispatch. S'il vous plaît. On met plus de temps à être en communication avec KGPL que avoir une information de la part de KGPL. This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood. Allô? Yes, sir. Send one round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. Allez, on va devoir localiser un taxi. Un taxi jaune parmi des taxis jaunes. Get Mervin to give us an address on Ray's place. You have any idea who Ray is? Sugar Ray. Not now, Mervin. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. Bon, on a deux choses à faire. Localiser le taxi et aller chez Ray. On va commencer par aller chez Ray, parce que ça va être plus rapide en fait d'aller sur une adresse fixe que de parcourir les rues. Pour chercher, allez, tourne. Pour chercher un taxi jaune parmi des millions de taxis jaunes, quoi. Enfin, des millions peut-être pas. Donc, on va chez Ray.
Elle a pris le taxi 179. On va aller chez Ray. En fait, on va pas pouvoir le localiser puisqu'on a la destination, je crois. This broad's planning on cleaning out every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the flop. Never trust the Limeys, especially where a fight's concerned. A mistake we can't seem to stop making. Ah bah tiens. Bureau d'un bookmaker, 17h20. That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Don't get too close. She must be inside. Ah bah, ça tombe bien. On est arrivé par l'autre côté, hein, mais c'est pas grave. We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. La filature, on l'a déjà fait, hein, aussi. Pour l'instant, il y a beaucoup de réchauffés dans cette mission, mais c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Alors, selon la loi de Californie, on a le droit de tourner au feu rouge si on tourne à droite. On a le droit de franchir le feu rouge si on tourne à droite. Ah, elle s'arrête. Gare routière, 17h47. Tout ça pour aller à la gare routière. On a déjà fait le dépôt de bus aussi. I think I just saw Hammond. I'll tell him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. That cherry pie was deep. Oh. Voilà. Modest little person, with much to be modest about. Voilà là-bas, là, regarde le tableau. This guy must have escaped the loony bin. I survived the war for this. Will you look at this clown? Trop. God damn. Oula. Roy! Call an ambulance. Hammond got away. He said. Just try and sit still, Candy. Make who me... shot? Non, arrête, ah, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tu m'aides pas là. Elle a perdu beaucoup de sang quand même, si peu de temps. Trop tard. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split? He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Mm-hmm. Oh. Si on reste là, on se doute bien qu'on va devoir regarder quelque chose. Notamment, alors, l'arme du crime. Allez, tourne, 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 tourne encore, tourne encore. Allez, faut avoir le bon angle, tourne encore. Merci. Ça pour ça. 32 cal. Une balle percutée. One shot fired. Donc, dans son sac, on a... Oh, un ticket de cinéma qui correspond avec l'autre qu'on avait dans la chambre. Egyptian Theater. The Setup. Tiens, c'est marrant, tiens. The Setup, ça me rappelle quelque chose. Bon. Donc, elle devait aller au cinéma. So, what now? The theater, I guess. We don't have much left to go on. Alors, la voiture est toujours là. Bonjour, messieurs. On va se dépêcher, on est un petit peu en train de faire une chasse à l'homme. Allez, Roy, tu veux ton argent ou pas?
Donc. Oh la vache, elle tombe vraiment pas cette caisse, c'est dingue. Poor girl. She didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. Oh, une voiture là. Egyptian Theater. 21h05. Theater, ça marche aussi très bien. Ah, j'ai pas pris le bon sens. This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11 King, come in. Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. KGB. Son of a bitch. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. Mm-hmm. You think he got the money? Ça change tout. Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Why did you kill her, Carlo? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you, and I intend to keep on living. Suive la voix. She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Vous entendez l'accent anglais? Everyone wanted me to take a dive. Il est là, notre anglais. You were washed up, kid. You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere. Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me. You did it for yourself. So did little boy. You did it to make une. A quick buck. And Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Alors avec les lampes, on va être super discret. En tout cas, le théâtre est vachement beau. Une salle de cinéma, c'est superbe. We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. Il a encore des balles, lui. Making a big mistake, Arcaro. Il y a des points rouges en bas. Come on, Cole. Carlo's a dead man. Hammond too when I find him. Ouais, vache. Il était où celui-là? You're covered, Cal. Where are you? You cocksucker. Alors, par où on passe là-dedans? Ah, on va le suivre. Visiblement, il a trouvé la meilleure. Ensuite, le meilleur point. Bon, après, avec nos lampes, on n'est pas tellement discret non plus, hein. Je l'ai déjà dit à l'entrée, hein, mais... You're clear, go! Mais non, je vais pas tirer, je vais courir. C'est ça, quand tu mets la même chose de côté. Move, I've got you. Headshot. Voilà. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch.
The Scania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Oh, il est gentil, disons, pour une fois. Because I was a Marine and I once lacked courage. Ah. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Oh, Roy va pas être content. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! Bon, va falloir qu'on explique ça au chef. The homicide squad send their best, Phelps. They're more than pleased that you wrapped up the Edwards killing. They're a little mystified about the motive. You have any ideas on that? Crime of passion, sir. Looks like some sort of love triangle between the manager, the fighter, and his girlfriend. No sign of the scrapper? No, sir. Looks like he left town after the fight. Bizarrement. Okay. It's homicide's problem now. Good work, gentlemen. On commence à faire de l'arrangement, nous aussi. Bref, on a fini. Et on a fini. Parfait. Avant de partir en Angleterre, il a disparu. Hop, ni vu ni connu. La semaine prochaine. The Naked City, la cité sans voile. Voilà, c'est là-dessus qu'on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, ciao.